Oui, pour la journée d'aujourd'hui du 17 mai, en tout cas, je suis très content. Je viens de voir le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de clôturer cette cérémonie ici au rond-point Forest. Comme là où il y a le monument dirigé pour les soldats qui ont beaucoup travaillé pour ce pays. L'État, papa Tshisekedi, va passer l'occasion à voir. À l'occasion, fait carrière, n'a fait pas de ma casse unique. Non, c'est dans la Constitution, ils vous ont dit clairement que c'est la journée des armées. C'est dans la Constitution. Mais comment, qu'est-ce qu'on va enlever? Ah, madame, moi, ne m'amenez pas dans d'autres histoires. La Constitution, on vous a dit que c'est dans la Constitution. Mais au même moment, on peut faire passer aussi à Mouzé. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. Ça, c'est un grand, grand progrès que la République a fait. Alors, nous, on continue avec les programmes que le président de la République va mettre en place et surtout pour qu'il y ait la paix dans le pays. Eh bien, oui, nous l'apprenons ensemble, que c'est la fête de l'armée. Donc là-bas, il y a une mission dans ton pays, ça va être comme il faut. Place-le à où est-ce que tu as été. Hein? Oyogi, allez, quittez! Polo ça, on est là-bas, tu as été là. Là-bas, tu as été là. Là-bas! Hein? Ah, ah, ah. Oh, nous avons une orange. Comment pour qu'il y ait? Ah, ouais, il y a une caca. Vraiment. Qui savent là? Et en plus, il y a qui est commis partout en Europe, dynamique, qui est commis partout en Europe. Comment pour qu'il y ait? Ça et comme ils sont partout. Tu commis à Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles, et puis base la mission italienne toujours, Londres, Angleterre. Puisque la dynamique Congo, tous ans pour avancer dans le colo. Ça va, ça va.
L'objectif est 18 à 125. On définit aux autres. Non, c'est dans la Constitution, ils vous ont dit clairement que c'est la journée des armées. C'est dans la Constitution. Mais comment, qu'est-ce qu'on va enlever? Ah, madame, moi, ne m'amenez pas dans d'autres histoires. La Constitution, on vous a dit que c'est dans la Constitution. Mais au même moment, on peut faire passer aussi à Mouzé. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. Tous, ce sont des gens qui sont morts pour le pays. Laurent Kabila lui-même était... le commandant suprême des armées, il est le premier qui a succombé pour l'intérêt de ce pays. Étienne Tshisekedi n'était pas un militaire. Étienne Tshisekedi est le père de la démocratie. Donc c'est le symbole de la liberté et de la libre parole. Moi, je crois que le jour d'aujourd'hui, tout Congolais ayant versé son sang pour l'intérêt du pays, il se retrouve. Ça, c'est une grande nation. Vous savez que même aux États-Unis, il y a l'insécurité même dans les églises. Mais ça, c'est une grande nation. Vous savez, par rapport d'où nous venons, on s'approche maintenant vers un peuple de plus en plus digne et sécurisé. Moi, je crois que tous ceux qui sont au front savent que tous, plus de 80 millions de Congolais sont derrière eux. Et que tout ce qu'il faut, c'est pour nous. Ils ont la bénédiction et des morts et des vivants. Et surtout, la main de Dieu est avec nous.
la liberté, le droit congolais. Alors nous devons les supporter, nous devons suivre ce que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a mis en place pour le bien-être du pays, le développement et la paix du pays. Et la paix commence aussi avec l'organisation, la réforme de l'armée et la réforme de la police et tout ce qui suit. Oh, il a connu beaucoup de révolutions. Soit regardez, on a eu les martyrs, on a eu les guerres qu'il y a eu à l'est du pays. On a fait beaucoup de progrès. On n'a plus d'enfants soldats dans notre armée. Ça, c'est un grand, grand progrès que la République a fait. Alors, nous, on continue avec les programmes que le président de la République va mettre en place et surtout pour qu'il y ait la paix dans le pays. Car désormais, ils sauront que à la fin de la carrière bien rendue, eh bien, ils ont aussi le mérite d'avoir une récompense, une allocation de fin de carrière. Vous avez le montant de cette allocation ? Pardon ? Vous avez le montant de cette allocation ? Le montant ? Non, je ne sais pas encore. J'aurai le temps de lire et de savoir, d'être informé. Eh bien oui, nous l'apprenons ensemble, hein, que c'est la fête de l'armée. Eh bien, il fallait bien qu'il y ait une date dans le calendrier. Non, l'acte d'aujourd'hui vient de prouver à suffisance comment la volonté politique est là pour qu'à jamais notre forces armées aillent de l'avant. Et donc nous sommes dans la réforme de nos forces armées. Les militaires découragés, ben, je dirais non, mais je vais simplement les sensibiliser parce qu'il n'y a pas que eux. Ça, c'est seulement la première vague. Il y a la vague de 2013. Il y a aussi la vague de 2018. Donc à cela, les signaux sont là et ils sont forts. Donc, comme le ministre venait de le dire dans son allocution, donc dans les mois qui suivent, en tout cas, tous y seront bénéficiaires de leurs allocations. Mais ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a qu'à venir. La nation a besoin d'eux. Nous avons un grand pays. Et vous avez suivi que notre armée, aujourd'hui, elle est classée parmi les 9e de l'Afrique. Donc, nous ne sommes pas moindres. Et j'ai fait appel aux jeunes étudiants et aux élèves finalistes des examens d'État, qu'ils nous rejoignent, les diplômés d'État, qu'ils nous rejoignent, la nation, la patrie a besoin d'eux. Oui, pour la journée d'aujourd'hui du 17 mai, en tout cas, je suis très content. Je viens de voir le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de clôturer cette cérémonie ici au Rond-Point Forest. Comme là où il y a le monument érigé pour les soldats qui ont beaucoup travaillé pour ce pays. Non, ça va continuer, puisque c'est une date historique. Chaque 17 mai, nous serons toujours ici. Oui, le 17 mai 1997, c'est le jour où Moïse Laurent-Désiré Kabila est venu prendre le pouvoir. Maintenant, pour cette période-là, il y a des militaires qui ont perdu leur vie pour ce pays. Voilà pourquoi on a érigé le monument ici à la place. L'État, papa Tshisekedi, papa Singa, occasion à joie. À l'occasion, fait carrière, n'a pas payé ma casse mingue. Pour n'a sali 63 ans de service militaire, les deux ont totalisé 85 ans de service militaire. Bon, on a gagné, n'a pas payé mingue. Patron, on a appelé ça. Et si je suis souhaité, pour moi, comme je suis là, patron, on va travailler dans Zambie. En tout cas, si je suis là, donc là, va, y a ma mission dans ton pays, ça va aux autres comme il faut. Place-le, ah ouais, ça va se souhaiter. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polo ça, on est là-bas, tiens, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, là-va! Ah! On est là-bas, on est là-bas. Comment, ok? Ah, ouais, on est là-bas. Vraiment. Qui ça, quoi? Et en plus, Nayoki qui a commis partout en Europe, dynamique, Congo, commis partout en Europe. Maman coquette, Moussala est commis juste partout. Tu commis la Suède, tu commis la Paris, tu commis la Nîmes, tu commis la Bruxelles, et puis base la Suède qui est toujours Londres, Angleterre. Puisque on a dynamique Congo, tous ceux qui ont avancé dans le colo.